Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Bruno Hermon heeft zich iets op de hals gehaald. Midden in de Ardennen heeft hij zijn Ardenner trekpaarden van de hand gedaan. En schakelde hij over op het fokken van Belgische trekpaarden, uit liefde voor het ras. Maar nu moet hij vanuit de Ardennen voor alles lange afstanden afleggen. Dat lost hij deels op door een hengst te kopen, en zijn tweede hengst, een jaarling van eigen kweek, werd al kampioen op prijskampen. Bruno neemt dus een vliegende start. Bonjour, je m'appelle Bruno Hermon, j'habite Wavreuil, dans les Ardennes. Et ça fait plus ou moins 9 ans que j'élève des traits belges de mon côté. Et voilà, je veux dire, les difficultés sont qu'on a pas mal de déplacements pour aller au concours. On a aussi, je vais dire, commencé petit. J'ai commencé avec une jument, puis une deuxième. Puis j'ai acheté un premier poulain mâle petit pour voir l'évolution qui a été admis la première année. Qui a été admis la deuxième année, puis j'ai racheté un deuxième pour risquer. Et ici, je commence à avoir des produits de mon élevage qui commencent à bien évoluer, je vais dire qu'ils sortent un petit peu du lot. Et voilà, je vais dire, on est un peu assidu, je vais dire, on est mordu de cette race. Et voilà, je vais dire, quand j'ai commencé, j'avais des Ardennais. Puis j'ai eu une championne nationale en 2011. Et puis j'ai été un petit peu au concours en Flandre voir et je suis tombé amoureux des Brabançons. On avait été au concours à Appels. Et c'est là que je me suis dit pourquoi pas me réorienter, vers le Brabançon. Il n'y en avait pas beaucoup par chez nous. Et j'ai acheté ma première jument et voilà, on a évolué assez. La différence du cheval était beaucoup plus grand, moins gras, c'était plus proportionné, beaucoup des meilleures allures. Et ça m'a donné envie de changer, d'essayer, parce qu'il n'y avait personne par chez nous. Je pense que j'ai été un des premiers, dans les Ardennes. Et voilà, j'ai continué. Aujourd'hui, je suis content de mon choix. Moi, j'ai demandé beaucoup de conseils, à des éleveurs flamands qui ont été fort chaleureux de m'accueillir. J'ai été peut-être bien un an à l'avance, voir les concours à gauche, à droite, à Audenart. J'ai demandé conseils à de gros éleveurs qui ont été, vraiment sympathiques, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont guidé et qui m'ont conseillé. Voilà, les deux races sont fort différentes. Un Ardennais, on préfère un peu plus petit, plus trapu. Ici, j'aime bien des grands, assez maigres, avec des bonnes allures. Et c'est le conseil, les gens qui m'ont guidé. Je fais premier avec un poulain d'un an qui est né chez moi. Puis je fais premier avec un poulain de 2 ans que j'ai acheté chez Divan Lagonov. Et le poulain d'un an fait champion. Et je suis content parce que c'est un poulain qui est né de chez moi et voilà, ça me fait plaisir. Pour élever, d'avoir des pouliches, mais voilà, il faut bien, à un moment donné, vu que nous on habite loin, je voulais avoir un propre étalon. Parce qu'au début, j'ai été chez Danny Bosman à Eusdenzolder. Et là, fallait partir après journée de travail et rentrer fort tard. Et le lendemain se relever, c'était assez difficile. Et c'est comme ça que j'ai acheté le premier étalon poulain. Et puis maintenant, je suis lancé, j'en ai deux. J'ai cours un jeune d'un an qui est né chez moi, qui évolue bien, qui pourra devenir étalon pour le futur. Pour un jeune qui veut commencer, il faut avoir un peu les reins solides, prendre patience, ne pas vouloir aller trop vite, écouter les conseils des vieux, des anciens. Et être attentif, faut être tous les jours dedans, être soigneux, c'est rigoureux, oui. C'est une passion. Quand je rentre après ma journée de travail, je suis content de prendre la jeep, d'aller dans mes chevaux, avoir un moment de tranquillité, les regarder, les soigner. C'est un peu mon moment à moi. Mes grands-parents ont eu, mes parents ont eu des chevaux.
Ça reste, je veux dire, un plaisir comme monsieur tout le monde qui va au football ou au tennis, je veux dire, voilà.